déjà. Et maintenant, s'occuper du mangeoir. Hein. Alors là, c'est toujours pas bon. Alors, quel est le problème? Il y a cette forêt, pourtant c'est pas bon. Bon, chez les autres, ça a l'air d'aller, hein. Par contre, c'est le Ceratosaure, j'ai pas encore vérifié, je sais juste ce que ça donnait. Alors, Ceratosaure. Ouais, il a l'air d'aller bien, lui. Pas vérifier les autres stégosaures pour l'instant. Ah oui, ah, je vois. Hein, ça commence à remonter gentiment. Écoutez, ce qu'on ne trappe pas tout de suite. Hein. Ah putain. Ce projet serait d'une grande aide pour la division du divertissement. Étudiez-le, s'il vous plaît. Ah oui. Par contre. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, hein. Ça va. Alors, ce que... Bon, je sais pas trop comment je vais faire ça. Ah, merde. L'air de baisser beaucoup trop là. Aïe aïe aïe, ça baisse. Ah merde.
Voilà. Et voilà. Ah, ça a l'air de remonter gentiment là. Ah, ça devient bon. Super. Merde. Oh. Maintenant, d'avoir la regardé votre bouffe. titre vous a été proposé. On dirait tout à fait le genre de choses qui pourraient vous intéresser. On doit continuer à chercher des dinosaures qu'on pourra domestiquer. Enfin, on pourra essayer de contrôler, disons. Et pour ça, il faut les laisser se gérer eux-mêmes, en fonction de leur hiérarchie naturelle. Ce qui veut dire qu'il nous faut plus d'échantillons. C'est justement le but de cette expédition. Ah oui. Oh merde. Il se passe quoi là-bas? Maintenant, on va mettre. Faut qu'on trouve quel animal on pourrait encore mettre dedans. Le seul truc, c'est qu'il faudrait quand même surveiller les interactions et la populace. Alors. Social 3 à 5, ok. Un cas d'individu, ok. Population égale à 0 à 18, ok. Bon. Allez, maintenant. Là, tempête dans l'approche. Là, qu'est-ce qui se passe? Dino malade. C'est Stiggy. Voilà.
ensuite. Ah, ça va vraiment bien. Ça continue bien, ça. Et on a un nouveau contrat. Vous cherchez du boulot, pas vrai? On dirait qu'on est fait l'un pour l'autre, non? C'est quoi ce bordel? 4 corythosaures, 4 edmontosaures, 8 struciobimbus. Est-ce que ça pourrait se faire? Je sais pas. Merde, attendez. Oh putain, ça présage rien de bon là. Putain, c'est chiant. Chier. Non, non. J'ai du mal à retrouver le poste d'hélicoptère. Ah le voilà. Tâche supplémentaire ajoutée. Aucun problème. Alors, le Raptor 1 tranquillisé. Je vais l'amener, je pense, dans l'enclos. Bien, j'attends le deuxième. On verra. Pour l'instant. Bon, vous savez quoi? On va les amener maintenant. Bien. Bon, on va amener les trois en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Alors. Ça devrait vous intéresser. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé fascinant. Alors, attendez que je regarde ça de plus près pour la mission. Alors, 4 corythosaures, 4... Montosaur 8, Struciomimus 4, 4, 8, 8 plus 8, 16, en tout 16 animaux. Est-ce que ça pourrait aller au niveau du reste? Bah, je prendrai un truc au bol. Et alors, Struciomimus, il faudrait combien d'espèces minimum? Niveau populace. 25. 0 à 25, ça c'est bon. Edmontosaurus. Si je le retrouve maintenant. Bon, Corythosaur, 1, 3, 2, 13. Bah, lui, ça va l'air d'être ok. Maintenant, l'Edmontosaur. Ah, ça m'énerve ce rhume. Il est parti où l'Edmontosaur maintenant? Je m'en aime pas, c'est merde. Bon, c'est quoi? On va faire un grand enclos pour tous les animaux, ce sera beaucoup plus simple. C'est pour la jeune personne.
Quoique bon, peut-être je peux les envoyer directement dedans, hein. Sont combien? 3, 4, 5, 5 stégosaures. Ah non, ça va être un peu trop. Ça va être chaud pour l'instant. J'en ai justement un qui pourrait vous intéresser. Ça va être celui-là. Si je pense qu'on crée, merde, attendez. Si on crée d'abord les Struthiomimus, on les met là-dedans. Après, il faudrait qu'on voie pour les Corythosaures et les Edmontosaures. Alors, vu l'espace qu'on a. Alors, attendez, voir, parce que je vais pas régler cette histoire de Raptor là. On part récupérer la cible. Les petites histoires des Raptors là. En route pour récupérer l'objectif. Demande de récupération. Ah, petite histoire de Raptor à régler. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Oula, qu'est-ce qui se passe avec là? On va créer les Struthiomimus déjà. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Ou les Edmontosaures, ou je ne sais quoi. Ça. On s'amuse comme des petits fous dans la division divertissement. J'ai raison ou j'ai raison? Alors, on va créer les Struthiomimus ici. Voilà ce qu'il me faut. Trouvez-moi trois espèces de dinos histoire de varier les plaisirs. Ensuite, il faudra les modifier pour les rendre plus intéressants. Les dinos exceptionnels attirent la foule des grands jours. Et ça peut rapporter gros. Voilà. Vous savez quoi faire? Alors comme ça, Isaac veut améliorer la qualité des dinosaures pour ses attractions. Je pense effectivement que ça profiterait à tout le monde. Loin de moi l'idée de critiquer son projet. Mais il va me falloir... Alors, voyons voir ça. Une note de 35 pour les Corythosaures et 28 pour les Edmontosaures. Alors déjà 35 les Corythosaures. Non. Note de 35 pour les Corythosaures, ouais. Alors, Corythosaures. Génial, maintenant c'est lui que je retrouve plus. Corythosaures, une note de 35. Directement je ça. Voilà. Ensuite il y a une note de je sais pas combien pour l'Edmontosaure. Il faudrait une note de 28. Enfin, les Struthiomimus, ils veulent une note de 12. Ça, c'est bon. Voilà. De rien. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer les Struthiomimus. Hein. Ouais. Ça fera 5 stégosaures plus 2 brachiosaures plus 8 Struthiomimus. 5 plus 8, un total de 13. 15. Ça fera 15 animaux en tout. Est-ce que je peux rajouter peut-être
autre chose, je sais pas. Et le Montosaur, il faudrait combien pour aller de Montosaur? Donc, Edmontosaur, pour lui, il faudrait peut-être. Ah merde! Merde! Ah, ça devrait aller. Le Coritosaur. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, ça fait 8. Non. 7 plus 8, 15. Donc 7 plus 8, 15. Plus 4, 19, plus 4, 23. Je pense que je peux tous les mettre dedans. À mon avis, je peux tous les mettre dedans, mais c'est les stégosaures qui m'inquiètent. Enfin, je vais les surveiller de près, ceux-là. Dans les stégosaures de base, il voudrait une population d'à peu près combien? Ouais, 15. Ouais, ça va être un peu chaud, quoi. Merde! Bon, en attendant, construire l'enclos suivant. À chaque jour, son spectacle et son contrat. Celui-ci vaut vraiment le détour. En attendant, construire l'enclos suivant. Okay. Ma manette qui bug là. Eh bien les amis, j'ai hâte de découvrir les nouveaux hybrides là. Parce que je crois que ça va être le troisième épisode où on est dessus, on n'a toujours pas les hybrides. Ça devient long à la longue.
Alors, contrôle du terrain, c'est pas possible. Alors, maintenant, on va commencer à mettre les accessoires, je pense, ou bien on va directement envoyer les deux autres, les 8 autres plutôt. On est juste un petit quelque chose, hein. Avec la voix, et la couveuse. R2. Voilà. Alors, les chemins, c'est presque bon. Thank you.
Ensuite, avant d'envoyer quoi que ce soit dans l'enclos, préparez bien la nourriture. Voilà, maintenant les arbres et compagnie. Voilà, et enfin l'achat, les plantes, et pour finir, un peu de l'eau. Maintenant, je crois qu'on peut y aller. Attendez, voir juste. Et voilà. Donc, Struthiomimus, c'est bon. Maintenant, le Corythosaur. Les Edmontosaures. J'étais jeune, je n'attendais qu'une chose, qu'une occasion comme celle-là. Vous voyez où je m'en venir. Stimoloch, niveau 45, enfin note 45. Alors, Stiggy. Maintenant, les Edmontosaures ici. Tâche confirmée. Non, aussi s'occuper des trucs de météo là parce que il n'y a pas assez de sécurité. Mettre encore des restaurants, des boutiques. Ainsi que des hôtels. Demande de récupération. Bonjour, c'est sûr. Il va falloir redoubler d'efforts pour assurer la sécurité de tout ce petit monde. Heureusement, on est à la hauteur. Et un nouveau contrat déverrouillé. Ici Lambert. Trop long. Je vais recevoir du boulot. J'aurai besoin de quelqu'un comme vous pour m'aider. Là maintenant, j'ai même pas le trop long encore. Elle est même pas. On déverrouille comment? Je sais pas.
félicitations sont de rigueur et vous méritez des remerciements. Alors félicitations et merci. Ravitailler la mangeoire et réparer le bâtiment. Bon, je pense que là on va faire venir le roi, ça c'est clair et net, ou alors on fait venir un hybride, ou je sais pas. On va faire venir un T-Rex. Les gens adorent les T-Rex. J'adore les T-Rex aussi. Alors on va en faire venir un. Où est parti mon animal préféré? Ah, le voilà. Hé hé. Passez à la vitesse supérieure. Je veux que vous introduisiez une meute de vélociraptors dans l'enclos afin de les observer. Je ne tiens pas à ébruiter notre petite expérience, alors tâchez de limiter les incidents avec les visiteurs au strict minimum. Compris ? Une proposition intéressante, ça se saisit tout de suite. Très bien, maintenant les restaurants et les boutiques, ainsi que des salles de jeu. Alors, boutique ici. Ce contrat est fait pour vous. Salle d'arcade.
Et une zone de fossiles. Ensuite, un restaurant, un bar plutôt. Une boutique de prêt-à-porter. Et enfin, un restaurant. Ah, j'ai fait quoi moi? Ah ouais, non, c'est bon. C'est juste que j'ai pas les trucs électriques. Et manque et mangeoire à ravitailler. Ah oui, remplis ça. On reste là, on a les raptors à lâcher. Et voilà. Rexy. Très bien. Ah bah ça commence. Ah bah corritosaure. Attendez, je vais essayer un petit quelque chose là. Hein.
Qu'est-ce que vous fabriquez? Nos nouvelles œuvres d'art sont en passe de devenir des hors-d'œuvre. Ça ne faisait pas partie du plan. Bah écoute, tu voulais des Vélociraptors avec des Corythosaures et des Edmontosaures, voilà quoi, tu veux que je fasse quoi d'autre? Rien à faire de plus moi pour l'instant. Je fais mon possible pour vous aider. Alors faites votre possible pour aider la division sécurité. De votre responsabilité que les dinosaures soient bien nourris. Ah oui. Bon, alors, voyons voir ça. Souvenirs. Thank you.
Alors ça, c'était pas prévu. Et carrément spectaculaire. Nos visiteurs adorent assister à des combats. Un vrai colisée moderne, le choc des titans. Ouais, ça en jette. Par contre, tâchez de me prévenir la prochaine fois. Cette expérience faisait partie de mes recherches et a eu un impact positif sur l'attrait du parc. Tout le monde y gagne. Et vu l'état dans lequel on finit certains animaux, je me dis que quelques susceptibilités froissées ne sont pas si graves. Pour ne rien vous cacher, je ne vous apprécie pas beaucoup, Docteur Wu. Et je ne suis pas le seul. Cela dit, vous obtenez des résultats, c'est indéniable. Et donc c'est réussi. Notre mission est réussie. C'est nickel, mais vous voyez que c'est où la partie en cours en fait. Bon, pas grave. De toute façon, ces raptors là, on va les vendre. Après, qu'est-ce qu'on a à faire? Réparer ça. L'hélicoptère ici. Il doit capturer quel animal? Il n'a pas d'autres animaux pour l'instant. Alors, ces deux-là. Ensuite. Ça aussi. Hein. Vous avez mis vos visiteurs et vos animaux en danger. Et ça, c'est pas bien. Pas bien du tout. Ouais, pas bien du tout. Un autre corridor en russe, voilà. Bon, les raptors là. On aura bientôt en vue. On est en chemin en vue. Voilà, il va dans l'enclos là. Pareil. Pareil. Merde. Cible en coupe. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, le truc de gyrosphère, on va s'en occuper aussi. La cible est en cours de transport. On va le mettre directement dans l'enclos du T-Rex. Ce sera beaucoup plus simple. Transit en cours. L'arbre décollé. Cible en transit. Voilà.
Ah, c'est pas vrai ça. Oh non. Allez, bon, il a quoi comme problème celui-là maintenant? Putain. Ciao tout le monde et à bientôt pour la suite. Allez, salut!